Ouais, survivant, bienvenue sur VLFR.gaming. Bon, on se retrouve aujourd'hui, petite vidéo de notre anniversaire Trick or... Je peux pas prononcer ça, moi, ça va dire un gros mot. Trick or treat. Donc, notre anniversaire d'Halloween. On reviendra ensuite à la fin, ici, on va voir un petit peu comment ça se passe. Vous avez votre soft habituel avec vos journées. Je vous partage ici... un tableau parce que on a plus, alors à moins que moi je le trouve pas, mais il y en a beaucoup qui sont venus me le demander, donc il a été fait. Et non, on a plus le calendrier où on peut voir nos différentes journées, donc je vous repartage là le tableau qui vous permet de savoir plus ou moins les journées qui restent à faire, de pouvoir vous synchroniser. Faites bien attention à tous ceux qui sont en soft. Essayez de vous synchroniser entre le skin event et les journées du soft. Ensuite, on a notre petit light and control, donc qui vous permet de récupérer une statue et qui vous permet de récupérer des statues de Roxy. Donc, les deux statues qu'on peut récupérer, elles sont ici. Comment elles sont trop mignonnes! Dégueulasse avec ton caniche de Frankie Manning Black. Donc, on a une statue qui nous rapporte 5% de vitesse de recherche de construction et 5% de recherche de vitesse de recherche de laboratoire. Ni plus, ni moins. Il nous rapporte rien de plus que ça, le petit chien. Après, le Carnial Clown, c'est une statue donc sans effet de bâtiment. Juste, ça va nous rapporter 1,2 de capacité de marche, 7% de défense, 4% d'attaque de troupes et 4% de défense de troupes. Vous avez votre Festival Pass qui va vous permettre de récupérer une autre statue ici, donc la Carnival et le Frankie Dog qu'on récupère dans le Light and Color. Ici, vous allez pouvoir récupérer l'autre. Comme je vous le répète à chaque fois, les deux packs ici sont vraiment, vraiment très intéressants. Vous récupérez énormément de choses. Des statues, des speed-up, des plasmas, des biocaps. Vraiment, pour le prix, c'est vraiment donné. Ensuite, vous avez votre rechargement. Donc, faites bien attention. Vous avez les packs qui sont à prendre. Mais vous devez prendre tous les jours 7500 biocaps. Donc, faites avec parcimonie. Utilisez différentes journées pour pouvoir arriver à prendre vos packs tous les jours. Vous avez des récompenses dans chaque pack, ce qui va vous permettre de récupérer le déploiement. Et donc, les packs, vous avez des fragments. Et donc là, je vous partage le dernier pack où vous avez 1500 bonbons. Donc, par contre, il n'y a plus de fragments dans les derniers packs. Ensuite, on va aller se focus un petit peu comment on se passe. Donc, vous avez possibilité de récupérer... Le skin que je vous ai mis, c'est celui de l'année dernière, du skin Inter-État. Donc c'est un skin à 3,5%. Il est magnifique, c'est celui que j'ai utilisé, vous avez le gros qui est là. Et normalement vous en avez qui ont le petit, c'est Halloween, il y en a qui ont dû mettre le petit. Donc là le premier Halloween, là le deuxième Halloween. Et voilà. Oh, c'est le gros, il a gagné le gros. Ah non, c'est le petit. Voilà le petit. Donc avec une seule tête. On va aller se mettre à côté. Et le gros à côté avec les trois citrouilles. Donc c'est celui-là que vous pouvez gagner gratuitement. Donc il vous suffit... Comment? Vous allez me dire comment, Vito? Comment? Là, vous devez venir jouer à des heures spécifiques. 4h UTC, 10h UTC, 16h UTC... et 22h UTC. Il est quelle heure? Je ne sais même pas à l'heure qu'il est là. 15h14, dans 45 minutes. Donc dans 45 minutes, par exemple, on va devoir venir jouer ici. Comment on va jouer? Donc, ce que je fais, moi, quand le boss, il arrive, j'essaye de me caler plus ou moins ici. Juste quand le boss va arriver, donc vous vous mettez là à quelques pourcents de la fin. Hop, 13, encore une fois, on va descendre 6. On passe en rage. Moi, c'est ce que je fais perso. C'est pas pour autant que ça va marcher, puisque j'en ai jamais gagné une seule fois. Donc bon, 3 ans de jeu. Je sais pas si ma technique est bonne. Mais bon, ici, dès que le boss va arriver, je tape avec le 10 pour que le boss, il me présente le boss tout de suite. Et le boss, on le dégomme directement en rage. Voilà comment je fais. Ensuite,
vous allez récupérer différentes récompenses en fonction de votre chance, tout simplement. Donc pour l'instant, je crois que ça tape plutôt pas mal. Alors le 23, le 46, le 19, le 22, encore un deuxième du 23, le 25, le 45. Donc c'est sympa, mais c'est un peu bizarre parce que le 27, normalement, on devrait avoir les résultats du 26 aussi. Là, il n'y a pas tous les résultats. C'est un peu différent. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas qu'un seul qui le gagne. Ou alors le ranking affiche mal. 26, 20, 27 à minuit, 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 27 à 4h, 27 à 10h. Donc j'ai l'impression qu'à minuit, on en récupère. Il y a plusieurs. J'ai l'impression qu'à minuit, il y en a 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai l'impression. Donc voilà. Ensuite, comment on fait tous vos points? Comment faites tous vos points? Vous faites... Donc là, on a du free. L'important, c'est d'essayer de récupérer un maximum de lancers gratuits. Donc, vous voyez, là, ça me fait des points, ça ne me touche rien. Donc vous faites deux fois simple. Non. Deux fois rage. Excusez-moi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de skin intérêt. T'as deux fois rage et vous revenez sur du simple. Et là, vous allez pouvoir enchaîner des lancers gratuits. Donc plus vous avez de points à faire, plus vous allez avoir de lancers gratuits et plus vous allez faire de points gratuitement. Donc on va appuyer deux fois sur rage et on repart. Oh, j'ai appuyé qu'une fois. Et on repart sur du free. Donc là, vous voyez, je perds pas. J'ai toujours le même nombre. Hop, on repart. Dès que le free s'enlève, on repart faire deux attaques en rage et on revient sur du free. Donc là, c'est ce qui va vous permettre de récupérer un maximum de free. Donc plus de free, plus de points gratuitement. C'est tout ce qu'on veut. Donc voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Et puis nous, on reviendra voir comment ça se passe enfin. Pour l'instant, j'ai rien utilisé. Le D1, on n'a rien fait. Le D2, on a même fait 0. Le D3, on est à 142. On verra tranquillement ce qu'on va voir. Seul truc intéressant, bah c'est les ailes. Mais les ailes, c'est du limité. Donc vous me connaissez, moi et le limité, on n'y va pas. Donc on va juste aller chercher un top 50. Et un top 10 sur une journée pour essayer d'aller pouvoir donner le skin à quelqu'un d'autre. Donc voilà, on attend, on verra un petit peu comment ça se passe. Et donc on reviendra faire une petite vidéo enfin. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !